Les bancs fondateurs, Cancan, Poli Pouma, Nerequi. Oui. Il est Nerequi. Oh, arrêtez-y. Les bancs fondateurs, Cancan, Poli Pouma, Nerequi. De la base, la tabela. Sur la délégation de la base. Madame. Ce sont des délégués ou des représentants? Des représentants. Des représentants. Merci. Suivez, s'il vous plaît, monsieur Monique. La convention, ici, discours de monsieur. Nous avons 24 préfectures et la ville de Conakry. Bon discours. Bonjour monsieur. D'abord, une minute de silence pour les morts et les martyrs de la démocratie. Comme c'est l'intérieur, oui. On est d'accord pour la Guinée unie, oui. On est d'accord pour la Guinée unie, oui.
À vous, hein. Maintenant, on donne la parole au... Je vais nommer M. Mokhtar Bari de Dégraï. Tu peux passer à la table. Les intentions du 6 avril 2022 du parti Guinée-Unie. Pardon? Ok. Je vous remercie beaucoup. Résolution finale de la convention du 6 avril 2022 du parti Guinée-Unie. En ce jour du 6 avril 2022 à Conakry, nous, Guinéens, ici des 33 préfectures et les 5 communes de Conakry, après avoir examiné les statuts et règlements intérieurs du parti Guinée-Unie, avons unanimement approuvé et adhéré librement aux idéaux du parti Guinée-Unie, envie d'unir les Guinéens autour de la mère patrie, la Guinée. À cet effet, nous nous engageons autour de ces valeurs cardinales qui sont entre autres une nation, un peuple, un drapeau. En vertu de ces valeurs et de notre volonté d'aller à la conquête du pouvoir exécutif, en vertu de notre volonté de transformer de nos villes et de nos communes en des villes attractives et modernes, en vertu de notre engagement de bâtir de grandes écoles, d'hôpitaux modernes et de qualifier nos ressources humaines, en vertu de notre volonté de développer le secteur agricole, industriel, minier au bénéfice de toute nos populations, en vertu de notre volonté ardente de doter le pays d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières et d'habitats sociaux pour tous, en vertu de notre volonté d'apporter un bonheur à chaque Guinéen et à chaque foyer. Nous, Guinéens du parti Guinée-Unie, avons accepté librement d'adhérer et d'accepter les statuts et règlements intérieurs de ce parti. Surtout, de donner plus de pouvoir aux jeunes et aux femmes dans une Guinée unie, paisible et solidaire. Les conventionnistes Kankan, Beyla, Massenta, Gekedou, Kissidougou, Farana, Mamou, Pita, Labé, Dingiray, Fria, Kindia, Bofa, Dibreka, Forekaria, Lola, Dabola, Dingiray, Kouroussa, Mandiana, Yomou, Gawal, Kundara, Mali, Telemele, Koubia, Lelouma, Fria, Tanene, Pita, Dalaba et à Conakry, les cinq communes, notamment Kaloum, Dixin, Matoto, Matam et Ratoma. Je vous remercie. Je suis le représentant de Dingiray, Mokhtar Bari. Mokhtar Bari de Dingiray. Je vous remercie. Merci beaucoup. La présente pour même ça va, ça fait quoi? Non, c'est bon. Mais le chou, ça va pour moi. Voilà. Prends ça. Merci à vous, merci d'être venu, merci à la presse. Nous venons de prendre part librement à la première convention de notre parti Guinée-Unie, la GU, à ce jour du 6 avril 2022. Nous avons unanimement et à toute connaissance, amender et adopter les statuts et règlements intérieurs de ce rassemblement politique. Désormais, cette date sera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire du processus démocratique de notre pays, car l'on retiendra pour la postérité qu'à cette date et sur ces lieux, des Guinéens et des Guinéennes de divers horizons, épris de liberté et de progrès, se sont retrouvés pour bâtir un parti avec de grandes ambitions à la dimension de multiples attentes de nos compatriotes et des énormes défis qui nous interpellent. C'est pourquoi, en partant de Conakry, vous devrez avoir à l'esprit que nous partons pour la véritable conquête du pouvoir que nous comptons exercer dans l'intérêt des compatriotes et au respect de nos obligations sous-régionales, régionales et internationales. Oui, la conquête du pouvoir à tous les niveaux, les collectivités rurales, les municipales, ainsi qu'à l'échelle nationale, les législatives. Nous devons porter très haut les couleurs et les valeurs de notre parti aux différentes élections communales et législatives sur toute l'étendue du territoire. Ce pari est possible. Est-ce qu'on peut tenir le pari? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le pari? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour les candidats jeunes? Oui.
Est-ce que vous êtes prêts pour les candidats femmes? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour l'exécution du pouvoir exécutif? Oui. Alors, repartez dans vos communes et villes, dans vos foyers, mobilisez tous les Guinéens désormais autour de Guinée unie. Ce pari est possible, car à cœur vaillant, dit-on, rien n'est impossible. Des cancans à Zérékoré, en passant par le grand Sankara, de la ville de Carrefour Mamou à la Dame du Mali, en passant par la ville de Karamoko Alpha de Labé, de la cité de Mengue Kindi, au bord des rios Rundinès à Boké, en passant par la ville de Simba Toumani de Dubreka et de la ville de Nyarabeli dans le rio Pongo. Nous ne laisserons aucun centimètre carré où nos pieds ne passent et repassent pour toucher tous les compatriotes, pour tendre la main fraternelle à tous les Guinéens et Guinéennes de tous les bords, de toutes les communautés, de toutes les confessions, bref, les Guinéens tout court, tels que nous le comprenons et nous le voulons au sein de notre famille politique. En vous souhaitant bon retour dans vos villes et dans vos foyers respectifs, soyez rassurés de notre présence à vos côtés et de notre soutien total pour la réussite de cette belle mission. Cette mission, certes noble et exaltante, que nous devons accomplir pour la mémoire de nos dignes défenseurs et le bonheur des générations futures. Vive la République de Guinée, vive la démocratie, vive la Guinée unie, la GU, vive la Guinée unie et prospère. Je vous remercie. Terminez les travaux. Monsieur Kader Diagne, premier vice-président. Oui. Sekou Kader Diagne. Le discours de M. Sekou Kader Diagne. Elle est là, elle est au fond là-bas. Regarde. M. Malick Sakho est investi à la tête du peuple, que ce soit clair. Le RPG s'est terminé une fois pour tous. Nous prenons notre liberté, l'enfant bonne chance. Il est fait aussi bonne chance. Sur le terrain, c'est le terrain du commandement de soldats. À un parti politique de Bima, compte tenu des actions humanitaires de tous ceux qui accepteront, on le félicite, on l'encourage, on est à sa disposition. Il sait que la nuit, il a passé des heures, c'est là-bas où il a dit que c'est sa première fois tant de nuit dans un village en dehors de sa quelqu'un. Donc, eu égard à ces investissements-là, je crois qu'on est avec lui et on sera avec lui pour toujours. Je suis l'ingé à Abandandoua. La base, la table, sur la délégation de la base. Madame. Faites face à la caméra. Ça, c'est la moyenne guinée, non? Oui, non. Bonjour, monsieur. Ce sont des délégués ou des représentants? Des représentants. Des représentants. Merci. Bon, mais restez à côté. C'est bon?
Mets ton téléphone là. Nous avons 24 préfectures et la ville de Conakry. Bonjour monsieur. D'abord, une minute de silence pour les morts et les martyrs de la démocratie. On peut se dispenser vraiment de la lecture, non? Comme c'est l'intérieur, oui. On est d'accord pour la Guinée unie, oui. On est d'accord pour la Guinée unie, oui. C'est l'ouverture des travaux. On donne la parole au. Je vais nommer M. Moukhtar Bari de Dégraï. Il peut passer à la table. Nous avons du 6 avril 2022 du parti Guinée unie. Pardon? Ok. Je vous remercie beaucoup. Résolution finale de la convention du 6 avril 2022 du parti Guinée unie. En ce jour du 6 avril 2022 à Conakry, nous, Guinéens, ici des 33 préfectures et les 5 communes de Conakry, après avoir examiné les statuts et règlements intérieurs du parti Guinée unie, avons unanimement approuvé et adhéré librement aux idéaux du parti Guinée unie, envie d'unir les Guinéens autour de la mère patrie, la Guinée. À cet effet, nous nous engageons autour de ces valeurs cardinales qui sont entre autres une nation, un peuple, un drapeau. En vertu de ces valeurs et de notre volonté d'aller à la conquête du pouvoir exécutif, en vertu de notre volonté de transformer de nos villes et de nos communes en des villes attractives et modernes, en vertu de notre engagement de bâtir de grandes écoles, d'hôpitaux modernes et de qualifier nos ressources humaines, en vertu de notre volonté de développer le secteur agricole, industriel, minier au bénéfice de toutes nos populations, en vertu de notre volonté ardente de doter le pays d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières et d'habitats sociaux pour tous, en vertu de notre volonté d'apporter un bonheur à chaque Guinéen et à chaque foyer. Nous, Guinéens du parti Guinée unie, avons accepté librement d'adhérer et d'accepter les statuts et règlements intérieurs de ce parti. Surtout, de donner plus de pouvoir aux jeunes et aux femmes dans une Guinée unie, paisible et solidaire. Les conventionnistes, Kankan, Beïla, Massenta, Gekedou, Kissidougou, Farana, Mamou, Pita, Labé, Dingiray, Fria, Kindia, Bofa, Dibreka, Forekaria, Lola, Dabola, Dingiray, Kouroussa, Mandiana, Yomou, Gawal, Kundara, Mali, Telemele, Koubia, Lelouma, Fria, Tanene, Pita, Dalaba et à Conakry, les cinq communes, notamment Kaloum, Dixine, Matoto, Matam et Ratoma. Je vous remercie. Je suis le représentant de Dingiray, Moukhtar Bari. Moukhtar Bari de Dingiray. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça présente tout, mais même ça veut dire quoi? Non, c'est bon. Mais le chou, la rana bouma. Voilà. Prends ça. Merci à vous, merci d'être venu, merci à la presse. Nous venons de prendre part librement à la première convention de notre parti Guinée unie, la GU, en ce jour du 6 avril 2022. Nous avons unanimement et en toute connaissance,
amendé et adopté les statuts et règlements intérieurs de ce rassemblement politique. Désormais, cette date sera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire du processus démocratique de notre pays, car l'on retiendra pour la postérité qu'à cette date et sur ces lieux, des Guinéens et des Guinéennes de divers horizons, épris de liberté et de progrès, se sont retrouvés pour bâtir un parti avec de grandes ambitions à la dimension de multiples attentes de nos compatriotes et des énormes défis qui nous interpellent. C'est pourquoi, en partant de Conakry, vous devrez avoir à l'esprit que nous partons pour la véritable conquête du pouvoir que nous comptons exercer dans l'intérêt des compatriotes et au respect de nos obligations sous-régionales, régionales et internationales. Oui, la conquête du pouvoir à tous les niveaux, les collectivités rurales, les municipales, ainsi qu'à l'échelle nationale, les législatives. Nous devons porter très haut les couleurs et les valeurs de notre parti aux différentes élections communales et législatives sur toute l'étendue du territoire. Ce pari est possible. Est-ce qu'on peut tenir le pari? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le pari? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour les candidats jeunes? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour les candidates femmes? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour l'exécution du pouvoir exécutif? Oui. Alors repartez dans vos communes et villes, dans vos foyers, mobilisez tous les Guinéens désormais autour de Guinée unie. Ce pari est possible, car à cœur vaillant, dit-on, rien n'est impossible. Des Cancans à Zérékoré, en passant par le Grand Sankara, de la ville de Carrefour Mamou à la Dame du Mali, en passant par la ville de Karamoko Alpha de l'Abbé, de la cité de Mengue Kindi, au bord de Rio Urinez à Boké, en passant par la ville de Simba Toumani de Dubreka et de la ville de Nyarabeli dans le Rio Pongo. Nous ne laisserons aucun centimètre carré où nos pieds ne passent et repassent pour toucher tous les compatriotes, pour tendre la main fraternelle à tous les Guinéens et Guinéennes, de tous les bords, de toutes les communautés, de toutes les confessions, bref, les Guinéens tout court, tel que nous le comprenons et nous le voulons au sein de notre famille politique. En vous souhaitant bon retour dans vos villes et dans vos foyers respectifs, soyez rassurés de notre présence à vos côtés et de notre soutien total pour la réussite de cette belle mission. Cette mission, certes noble et exaltante, que nous devons accomplir pour la mémoire de nos dignes défenseurs et le bonheur des générations futures. Vive la République de Guinée, vive la démocratie, vive la Guinée unie, la GU, vive la Guinée unie et prospère. Je vous remercie. Terminez les travaux. Monsieur Sekou Kadra Diagne, premier vice-président. Oui. Sekou Kadra Diagne. Le discours de M. Sekou Kadra Diagne. Elle est là, elle est au fond là-bas. Aïda. M. Malick Sakho est investi à la tête du parti, que ce soit clair. Le RPG s'est terminé une fois pour toutes. Nous prenons notre liberté, l'enfant bonne chance. Il fait aussi bonne chance sur le terrain du commandant de soldats. À un parti politique de dire, compte tenu des actions humanitaires de tous ceux qui accepteront, on le félicite, on l'encourage, on est à sa disposition. Il sait que la nuit, il a passé des heures, c'est là-bas où il a dit que c'est sa première fois, tant de nuit,
dans un village en dehors de sa quelqu'un. Donc, il est là à ces investissements-là. Je crois qu'on est avec lui et on sera avec lui pour toujours. Je suis l'ingénieur Abandon.